Je vais vous parler de mes dernières actualités en tant que figurante ou actrice de complément. C'est exactement la même chose. Un figurant ne parle pas, réagit. On ne voit pas à l'image. Voilà. Donc, en février, j'ai tourné dans le nouveau film Les Baudins. Donc, on était en tout 600 figurants. Donc, je jouais une spectatrice parmi les spectateurs et on regardait tous un concours. Et ça, vous verrez ça bientôt à la télé sur M6. En mars, j'ai joué à nouveau une spectatrice pour regarder une attraction, La Lucarne. Donc, c'est sur le film 4-0, c'est sur le foot. Donc, il y en a qui perdaient, ils n'arrivaient pas à mettre le ballon dans la lucarne hein, tout le temps. Donc, réagir, wow, applaudir, voilà, comme je fais dans les émissions de télé. Voilà. Applaudir, hein, réagir, pas rester comme ça, plan, plan. Voilà. Ça, c'est bien. Et après, j'ai tourné un autre film, que j'ai jamais tourné cette scène-là, et ça me tenait à cœur. J'ai tourné pour un enterrement, et oui, dans le cimetière de Pantin. Voilà, apparemment, c'est le plus grand cimetière de France. Et là, nous étions tous dans le quartier juif. Voilà, on avait le cercueil, et puis il y avait toute une cérémonie et puis on a chanté. Voilà, le chant était vraiment beau. Après, j'ai su ce que ça voulait dire, mais c'était beau. Et il y avait deux actrices, il y avait Pauline Clément et Émilie Caen de référence. Je l'avais vue à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà. Donc, vous qui vous êtes derrière votre écran, si vous êtes producteur, agence de casting, vous êtes à la recherche de figurants ou même de silhouettes, voilà, je sais pas, j'ai envie d'être autre chose que figurant, mais voilà, je suis contente quand même. Silhouette, silhouette muette, silhouette parlante, doublure lumière, doublure, tout simplement, d'une actrice qui me ressemble, ou un petit rôle. Mais contactez-moi, je serai ravie de participer à votre projet. Vous pouvez voir mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Ou alors sur TikTok, c'est exactement la même chose. Voilà. Sauf que sur TikTok, il y a des parodies que je ne peux pas mettre sur YouTube. Et je vous remercie et j'ai hâte que vous me contactez. Merci. Et je vous montre mes profils. Et mon visage de face. Allez, à très vite, à très bientôt.